Il est l'heure, sans honte et sans déshonneur, de reconnaître notre défaite. Et que proposez-vous, monsieur le maréchal ? On doit s'entendre avec l'Allemagne et rebâtir la France sur des bases nouvelles. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition. Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons. En langage militaire, ça s'appelle une désertion. Je ne vous permets pas, de Gaulle ! Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. Décidons de continuer le combat ailleurs. Ces heures douloureuses, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Personne ne veut résister à la disparition de la France. Je retourne cet après-midi à Londres pour tenter d'arracher le soutien de Churchill. Not a chance. We must build up our own forces. On ne va pas prendre de risque plus longtemps. Il faut quitter la maison. Charles, mon grand amour, je ne sais pas où tu es. Et je ne sais pas où je vais. Je suis dans la situation d'une mère qui doit protéger ses enfants et qui va pourtant prendre le risque de les entraîner vers la mort. Je suis surtout un homme qui a tout quitté, son pays, ses fonctions, et qui a laissé sa famille dans un pays à feu et à sang. Sachez que vous risquez d'être inquiété à tout moment. On parle de condamnation. Vous êtes dégradé et déchu de la nationalité française. Tu n'as pas le choix, tu dois continuer. Les mots, ce sont les seules armes qui me restent.